La violence des milices dans l'est de la République démocratique du Congo, un frein au travail des personnels de santé qui luttent contre Ebola. D'après les données recueillies par l'OMS et le ministère congolais de la Santé, le virus a déjà fait 44 morts sur les 78 cas confirmés ces deux dernières semaines et environ 1500 personnes ont été identifiées comme ayant été en contact avec des personnes infectées par la maladie. Mais la présence de ces milices, notamment dans le Nord Kivu, empêche les travailleurs humanitaires d'identifier clairement toutes les chaînes par lesquelles elles se propagent dans l'est du pays. C'est la 10e épidémie d'Ebola que connaît la RDC depuis la découverte du virus au bord de la rivière Ebola en 1976, près de la ville de Yambuku, dans la province de l'Équateur au nord de la RDC. Près de 900 personnes ont déjà péri depuis cette première épidémie.